bienvenue sur BNews USA. BNews. Le podcast qui vous propose une critique de bière US chaque semaine. Des Bayous Louisianais, nous vous délivrons nos coups de cœur, conseils pratiques et l'expression Cajun de la semaine. Un podcast à consommer sans modération. BNews USA is part of the Podcut family of podcasts. La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. BNews USA, épisode de 66. Moi, c'est Patrice. Toujours Stéphane. Et bonjour Stéphane. Comment ça va? Ah ben, ça va très bien. Quel temps fait-il? C'est l'été, il fait beau. Oui. Il fait chaud surtout. Oui, oui. Des petites brèves. Alors, d'abord, avant les brèves, je voudrais passer le bonjour à Youssef qui nous écoute de Casablanca, Stéphane. Oh, bonjour. Oui, monsieur, Casablanca, on a un auditeur à Casablanca. On est partout. C'est pas joli, ça? Ouais. Voilà, bonjour à Youssef. Tu te rappelles, la résilience IPA, c'était le Sierra Nevada qui avait commencé, oui, ça? Oui, pour aider par rapport au feu de forêt en Californie. Exactement. Eh bien, à ce jour, ils ont récolté d'Urban South 7 500 $. Mm-hmm. Et de Founders, 10 000 $. Ah, quand même. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais, ouais. Et donc, évidemment, multiples brasseries, c'est pas les seules. Mm-hmm. J'ai parlé la semaine dernière des bières que j'avais goûtées en France. Oui. Alors, est-ce que tu veux savoir? Oui, quelles sont-elles? Alors, par exemple, la Punk IPA de Brewdog. Oh. La bière qui t'envoie chier, quoi, c'est pas ça? Comment ça? Elle est punk, elle t'envoie chier. Punk, pardon, oui, oui. C'est la bière à chien. Ah ben voilà, la bière punk à chien. La bière qui n'a rien à foutre de celui qui la boit. C'est ça. Anarchie. Ben écoute, elle est pas mal. Ah bon? C'est une IPA classique type West Coast, un peu, mm-hmm, tu sais, tu vois. Oui. Et je l'ai trouvé bien. Ben, ça c'est. Je l'ai trouvé bien. Bon, elle m'a pas défrisé, oui, tu vois, mais c'était sympa. Mm-hmm. Alors, la Jeanlin IPA, en revanche, oui, faut pas acheter. Oui, voilà. C'était la Summer IPA. Alors moi, Jeanlin, tu sais, tu me connais, oui, oui, j'ai parlé moult fois de mes souvenirs de jeunesse avec la Jeanlin ambrée normale. Là, j'ai voulu tester l'IPA, non, faut pas acheter. Bon. C'était la Summer, c'était pas bon du tout, faut éviter. Dommage. Eh ben oui. La Vedette IPA. Oui. Bof. Ah, dommage aussi. Bof. Ouais, ouais. La Barbare, mm-hmm, conseillée par Monsieur Seri. Oui. Alors ça, c'est très bon. Ça, je me rappelle d'avoir bu, mais il y a plus de 20 ans. Alors attention, parce que ça tape derrière la tête. Oui, 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 oui. C'est bien au miel, là, c'est oui, ça. Oui, alors on comprend pourquoi ils appellent ça la Barbare. Voilà, c'est le miel, en fait, qui fait mal. Là. Les coups de massue comme les Barbares. fort en alcool. Alors j'ai fait quand même mes retrouvailles avec la Jeanlin classique. Oui, alors. Eh bien, écoute, au début, elle était fraîche et tout. Mm-hmm. Je dis, ouais, elle est pas mal. Et puis, petit à petit, elle est revenue à température ambiante. Mm-hmm. Et là, je dis, ah, voilà, maintenant, je la reconnais, voilà, la Jeanlin. Avec son petit goût de bouchon, là. Oui, voilà. Parce qu'on l'achetait dans la supérette, et puis on la buvait comme ça, chaude. Et voilà, c'est une bière qui se boit chaude. Donc, à partir du moment où elle est retournée à température ambiante, je dis, ah, ben voilà, maintenant, je la reconnais. Voilà. Il y a à boire au goulot, tu vois. Ouais, bien sûr. Au sortir d'une épicerie de nuit. C'est ça. Ouais, ça me rappelle un collègue, ça, qui faisait ça, puis il était là, il refaisait le monde. C'est une bière qui permet de refaire le monde. Une autre brève, la Sierra Nevada Hazy Little Tang IPA. Mm-hmm. Quelqu'un en a trouvé en Suisse. Oh. François Tessier en a trouvé et il a mis une photo sur Twitter. Bravo. Ah ouais. Mm-hmm. Et ça, je savais pas que Hazy Little Tang IPA, une Hazy IPA, ça pouvait se trouver en Suisse maintenant. Mais oui, parce que c'est pas l'Union Européenne. Je ne sais pas comment ça marche. Enfin, je ne sais pas. Voilà. Alors, si chers auditeurs auditrices, vous en trouvez chez vous, en Belgique, en France, au Québec, ça m'étonnerait. Mais partout ailleurs, dites-le nous, mm-hmm, sur Twitter, sur Facebook ou sur Instagram. La West Vetleren. Oui. Eh bien, tu sais qu'à l'époque, il fallait téléphoner. Oui. Maintenant, il faut aller sur un site. Il y a un site web maintenant. Oh. Il se modernise. Eh bien, dis-moi. Il faut mettre ses empreintes aussi. Peut-être. Voilà. Ses empreintes digitales et tout ça. Digitales, tout ça, voilà. Voilà. Et puis, voilà. Et j'ai vu l'autre jour, j'étais sur YouTube et j'ai vu une pub Habitat, monsieur. Oh. Sur YouTube. Ah, ça, c'est... Ça m'a surpris. Oui, oui, oui. C'est pas commun. Non. Alors, ouais, ils commencent à faire des pubs. Il y a des panneaux pour Gnarly Barley, Juicifer, quand tu vas sur la route de New Orleans, c'est tout, tu te rappelles? Ah oui, oui. Et maintenant, même Habitat fait ça sur YouTube, alors il commence à se, devenir un petit peu énergique. Voilà. Alors moi, j'ai une question. Oui, vas-y. Te concernant. Mm-hmm. Es-tu misophone? Est-ce que je suis misophone? Je crois.
Tu sais ce qu'est un misophone? Je crois. Est-ce que c'est les gens qui ne supportent pas les petits bruits? Voilà. Mais moi, c'est ça. Voilà, donc tu es misophone. Complètement. Mais alors, jusqu'au trognon. Hein. Tu es comme Bruno Salomon. Ah bon? Tu es misophone. Et lui va faire un livre. Alors bon, j'explique, hein, il faut différencier le misophone, donc c'est quelqu'un qui ne supporte pas les bruits, d'un xylophone. Ah oui, ce n'est pas pareil. Un xylophone, c'est... Qui fait des bruits insupportables, voilà, c'est l'inverse. Un xylophone, c'est si on commence à te taper sur la tête avec des baguettes qui ressemblent à un coton-tige, eh bien, tu es un xylophone. Tu vois, si quelqu'un, il arrive sur... Voilà, là, à ce moment-là, tu es xylophone. Voilà, non, moi, je suis misophone. De misophone, alors voilà, c'était donc... Bon, j'ai goûté quelques bières également... j'ai goûté une bière russe dont j'ai perdu le nom, ou peut-être l'ai-je retrouvé, c'est pas non plus très important. Eh bien, j'ai été positivement surpris, puisque bon, je suis allé sur mes sites préférés, il m'était pour. J'ai dit, bah, ça m'intéresse, si je la trouve pas bonne, ça m'intéresse. Mm-hmm. C'était une bière, c'est la bière russe, et visiblement de tous les pays de l'Est. On mettra ça en inclusion plus tard, parce que là, j'ai oublié effectivement le nom de cette bière. Ça te reviendra tout à l'heure. Oui. C'est une bière qui tape, je crois, 4,6 ou 4,7 degrés. Alors, il y a plusieurs numéros, 2, 3, 4. Et les Russes sont un petit peu comme les Français, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas de ale, ils ne parlent pas de lager. Pour eux, c'est en fonction de, c'est dark, c'est, voilà, c'est blond. Là. Et cette bière, vraiment, je n'en attendais pas grand-chose. J'ai trouvé un goût qui m'a totalement rappelé la Peroni. Et comme j'avais les deux dans le frigo, j'ai pu comparer. C'est-à-dire, lorsque j'ai ouvert cette bière, il y avait un nez de pâte à pizza. Et avec, tu sais, l'olive noire, le noyau d'olive noire, quand tu as passé la pizza au four, tu sais, qu'il y a l'olive noire, et tu as ce noyau, tu vois, un petit peu ce goût. Exactement le même goût, les deux, tu vois. Alors, j'étais impressionné. Et la différence avec la Peroni, c'est qu'elle est moins forte. Et elle a ce goût, à force de, je dirais, quand elle se réchauffe un petit peu, un goût d'alcool blanc, évidemment, qui rappelle la vodka. Bon, ils font pas non plus dans la grande imagination et tout ça. Mais je trouvais cette bière, je comprends tout à fait que quelqu'un qui ne veuille pas boire de la vodka puisse avoir cette même sensation en bouche. Alors, il faut savoir que jusqu'à 2011, les Russes considéraient que c'était du jus de fruits. Tous les alcools en dessous de 10 degrés, jus de fruits, tu vois. Pour les enfants. Oui. Voilà, donc Poutine, en 2011, il a dit, bon, on va arrêter. Non, ça, c'est l'alcool, quand même. Mais ça retype un goût de vodka, mais je dirais de bon alcool blanc. Donc, j'ai été surpris, parce que je m'attendais à un truc imbuvable. Enfin, ouais. Et vraiment, ça a été, tu sais, l'achat impulsif. Je vois la bouteille russe, boum, je prends. Ça, c'est russe, j'ai jamais bu de bière russe, je prends. Mmh. Et je comprends très bien que dans un contexte russe, enfin, dans les pays de l'Est, c'est tout à fait une bière buvable. Et là, ici, en Louisiane, je me disais, bon, je ne vais pas en acheter parce que, bon, j'ai bien aimé tout ça. À part si je commence à penser à manger, tu sais, des harengs, des choses comme ça, ce type de nourriture. Ben, j'étais assez surpris. C'est une bière, j'aurais mis quoi? J'aurais mis 12 ou 13, tu vois, 12 ou avoirons, enfin, voilà. Mais je m'attendais à boire quelque chose d'infâme. D'accord. Ce ne fut pas le cas. On retrouvera, mon cerveau retrouvera le nom de cette bière, on mettra en inclusion. Tiens, ça me fait penser que tu me parles de ces bières... européenne, etc. Ça me fait penser qu'on est allé avec mon épouse dans un restaurant pour notre anniversaire de mariage il y a pas longtemps à New Orleans qui s'appelle Shaya, qui est un restaurant de cuisine comment dirais-je d'Israël et tout ça. Et ils avaient de l'almassa. Ouh. Et oui. Ah ça c'est sympa. On t'y amènera. Ah oui, la bière libanaise, évidemment. Voilà, c'est ça. Qui paraît dans un. C'était cuisine libanaise. Voilà, dans un contexte totalement différent, méditerranéen. Et c'est vraiment du petite bière blonde, lager. J'ai trouvé ça super sympa qui sert de l'almas. Ah ouais, ça c'est... On t'y amènera. Ah ouais, ça peut être très intéressant. Très bien. Est-ce qu'on passe à la bière de la semaine? Oui, mais quelle est-elle? Eh bien... L'almasa moi... Non, c'est moi qui te surprends cette semaine. Eh oui, mais quelle est donc cette bière? Est-ce une bière misophone? Dixie, I sang Dixie. Que je connais, je la connais celle-là. Tu la connais celle-là? Ah oui. Tu l'as déjà bu? Oui, la bouteille. Oh mince. Oui, bien sûr, je la connais. Oh mince. Dès que c'est sorti. Oh plus, bah non, alors. Voilà. Oui, c'est ce qui se fait le mieux chez Dixie. Oui. Ah bah largement, oui. Voilà, c'est ce qui se fait le mieux chez Dixie. Bien sûr. Elle était, alors ils ont ressorti, tu sais, parce qu'elle était sous une, différents noms, différentes canettes autrefois. Oui, il y avait une espèce de dessin bleu. Voilà. Qui était moche. Voilà. Et véritablement, de toutes celles que fait Dixie, c'est la meilleure. Ah oui, largement. Ouais, ouais, ouais. La Dixie normale, moi, je l'aime pas du tout. On l'a chroniqué, elle est trop sucrée. Ouais, la light, sans commentaire. Et celle-là, écoute,
Je l'ai goûté parce que j'étais avec mon groupe, on jouait dans un, c'était un club de golf, tu sais, un parcours de golf. Excusez-moi. Mmh. Et je suis allé au bar et j'ai dit, bon, ma question sempiternelle, qu'est-ce que vous avez qui n'est pas Budweiser, Coors et Miller? Elle a dit, bah, j'ai de la Dixie. Je dis, ah, mince. Et puis elle m'a montré la canette. Oh! Je dis, celle-là, je la connais pas. Mmh. J'ai essayé. Eh ben, bien m'en a pris. Oui. Pour pas divulgâcher. Oui. Elle est pas mal. Oui, si je me rappelle, je la mettrais un petit peu au niveau de la Negra Modelo, oui. Ce type de bière. Voilà. Ou même la Shiner Bock. Oui, ou Shiner Bock, ouais, mm-hmm. Voilà, exactement. Ouais. Côté ambré, ben on va en parler. Mm-hmm. Dixie, c'est une marque qui est originaire de la Nouvelle-Orléans. Oui. C'est la première brasserie traditionnelle de la Nouvelle-Orléans, c'est censé. Oui, bon. Oui. Elles sont plus faites à la Nouvelle-Orléans, celles-là mm-hmm. sont faites à Memphis, dans le Tennessee. Mm-hmm. Et évidemment, il y a des plans pour faire revenir la Dixie à la Nouvelle-Orléans. Oui. Et bon, on verra si ça changera. Le goût. Voilà. Alors, je vais vous dire quel type de bière c'est. Oui. La Versoton. Allez, on fait la essai bière. Attention, c'est une misophone. Eh oui. Quelle belle couleur. Mm-hmm. Vas-y, Stéphane. Moi, je ne suis pas misophone, je suis mis au banc de la société. Quand je bois de la punk IPA. Voyons voir. Mm-hmm. Il n'y a plus de bruit après. Ah oui, mais non, là, ça c'est nul, ça, comme ASC bière, Stéphane. Ouais. Oui, mais tu es misophone. Oui, mais c'est justement mais c'est le bruit de la bière qui est servi, ça fait partie des bruits que j'aime. Bon, dans le nez, candy. Alors, j'explique ce que c'est. C'est une Dunkel. Elle est inspirée par les Dunkel allemandes. Qu'est-ce que c'est, Dunkel? C'est des lagers, c'est une lager au malt d'orge rôti. Mm-hmm. C'est des bières maltées et douces, en fait, les Dunkel. Et Dunkel, ça veut dire sombre en allemand. Mm-hmm. Et c'est donc des bières à la robe traditionnellement ambrée. Elle fait 5 degrés d'alcool, IBU, c'est marqué nulle part, et 150 calories. Voilà, dans le nez, bon, d'entrée, bonbon. C'est candy. Ouais. Voilà. Caramel, bien sûr. Caramel. C'est un petit moment que je n'avais pas vu. C'est avec plaisir que je remets mon nez là-dedans. Ah, tu vois. Elle est ambrée, hein, mais vraiment. Oui. On dirait presque du coca. Et puis, c'est, en même temps, c'est pas un style courant. Non. Sous nos latitudes, voilà, c'est encore... c'est intéressant parce que c'est une petite sœur de... C'est une lager, de toute manière. C'est une... Encore une, je dirais, une... Ça fait partie de cette famille-là. Parce que nous, souvent, comme la Shiner Bock. Voilà, parce que souvent, on a affaire à des ales, hein, la plupart du temps. Et là, ça fait partie de la famille des lagers. Comme Shiner Bock, comme Negra Modelo, tout ça, ce sont des... Ouais. Sont des bières ambrées d'inspiration allemande. Et on retrouve comme dans la Negra Modelo, ce n'est effectivement de caramel, mais également de bonbons. De... Mm-hmm. Ah ben, et laiteux aussi, un nez de malt. Bah oui, complètement. Voilà. Ça c'est fait pour nous plaire. Ça. Voilà, c'est vraiment... On n'a aucun problème pour la trouver ici. Non, elle est partout. Voilà, elle est vraiment partout. Elle est dans tous les supermarchés. Voilà, vraiment dans tous les supermarchés, puisque c'est une bière locale, puis c'est une fierté locale. Et ça faisait très longtemps que je n'avais pas acheté. J'en avais acheté quand ils avaient revampé la marque en définitive. Mmh. Donc il y a bien 2 ans, on a une humaine 2 ans. Ouais, c'est ça. Bon, je la vois tous les jours. Bon, voilà. Bon, c'est une bonne idée. J'aime beaucoup le nouveau visuel parce que l'ancien visuel, je le trouvais moche. Moi. Oui. C'était une espèce de dessin fait par un amateur. C'était bleu, c'était très moche. Ça ne correspondait pas au produit. Non. Voilà. Non, là, elle est beaucoup plus classieux. Ouais. On y va? Eh bien sûr. Ouais, elle est pas mal, hein. Caramel, malt. Ouais, c'est vraiment leur meilleur. Ah oui, mais c'est très très loin. C'est leur meilleur. C'était très très loin. On s'est venu en Louisiane que vous avez l'opportunité de boire une bière. Pourquoi pas? Ça marche dans les deux sens. De boire une bière Dixie, c'est celle-là. L'autre, vous oubliez. Ce qui m'amène à parler de quelque chose dont on va parler dans peut-être une semaine ou deux. On nous a demandé de faire un classement des 10 meilleures bières louisianaises à goûter pour quelqu'un qui vient en vacances. Mmh. Quelles sont les 10 bières qu'il faut absolument goûter? Alors, je ne sais pas si ça en fera partie. Mmh.
peut-être, peut-être pas, on verra. Mais faut commencer à penser à ça et faire un petit conseil de voyage comme ça. Sinon, elles sont toutes de chez Paris, et puis voilà. Et voilà. Bon, on va essayer, oui, de prendre en compte le budget. Ouais. Savoir où on peut les trouver. Voilà, la distribution. Ouais. Ça là pourrait rentrer dans le top 10 parce que c'est une bière qui est très distribuée. Ouais. Parce que bon, évidemment, si on va chercher une bière dans le laboratoire de bière, bon là, bon, c'est sûr que. Ou ne serait-ce que la Nova Verte de chez Paris, qui est sublimissime, mais qui ne se trouve qu'à la brasserie. Enfin, voilà. Ou alors, je sais pas moi, mais j'en ai pas vu ailleurs qu'à la brasserie. Bon. Là, ça se trouve vraiment partout. Complètement. Et je pense également dans les stations-service. Oui. Voilà. Oui, oui. Ouais, Dixie. Alors, est-ce que c'est est-ce que je suis hérétique si je dis qu'elle me rappelle la pas la Murphy's mais la Guinness. Guinness. Ah, tu es un hérétique. Là. Je ne te parle plus. Il y a un fond café. Ouais. Tu trouves pas? Un peu café. Moi, je trouve. Non, là, je ne te suivrai pas dans cette voie-là. Pour moi, c'est bon, le Negra Modelo, c'est effectivement Bock, Shino Bock. Je la trouve plus robuste que c'est les deux dont tu viens de parler. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, pas forcément plus alcoolisé d'ailleurs. Donc, non, mais plus ronde en bouche. Mm-hmm. Plus robuste. Ouais, elle est massive. Ouais. Voilà, c'est, bon, j'adore également la mousse, cette mousse mocha, qui reste bon, à minima. Bon, c'est vraiment, je me répète, leur meilleur. Donc, cette bière, si vous trouvez dans un bar sordide ou que sais-je encore ou dans un bled vous voyez y a ça. Voilà la Dixie Voodoo, allez de suite les yeux fermés, c'est vraiment une très bonne bière de consommation courante, très bonne bière. Et puis ça rappelle un petit peu l'été cabinouse, c'est-à-dire que vous êtes perdu, il y a une station service, exactement, que boire. Si vous êtes perdu, il y a une station service et il n'y a que Budweiser, Miller, Coors et ça, oui, prenez ça. Et puis ça, c'est effectivement, on les trouve dans les stations-service. Bien sûr, et c'est ce qui m'est arrivé l'autre jour dans ce bar. Mm-hmm. Ils avaient que des macros, et puis ça. Bon, évidemment, un goût de malt grillé. Complètement. De caramel, mais c'est vraiment très agréable et très bien fait. Écoute, c'est une réussite. Ouais, il n'y a pas grand-chose d'autre à en dire, non, vraiment. Non, bon, elle est forcément aqueuse un petit peu aussi. Bon, voilà, c'est parfait également pour la Louisiane. Peut-être la mi-saison, mais là aussi, ça passe bien ce soir. Je ne me rappelle pas le prix, mais ça doit être... Que dalle, le prix, ça doit être du 7,99$ le pack de 6, c'est-à-dire... Oui. Et encore, maximum. Et encore, maximum, oui. Pour peut-être se répéter, expliquer à nos auditeurs qu'il y a, par exemple, des gammes de prix comme ça, en Louisiane notamment. 6,99$, c'est vraiment pas cher pour un pack de 6. 7,99$, c'est un prix normal. 8,99$, c'est souvent le prix des bières Sierra Nevada ou des bières craft de Louisiane. Mmh. Au-dessus, ça commence à faire cher, quoi, 9 et quelques et tout ça. Bon, après, évidemment, on en a parlé, en bas du tableau, c'est Schlitz, c'est Hams, mais là, bon, c'est un peu différent quand même. Il y a la Ghost qui était avant à 12 et quelques, maintenant elle est à 10,99. Ouais, le pack de 4. Voilà, ouais, le pack de 4, bien sûr. Ouais. Mais bon, c'est une expérience remarquable. En parlant de Ghost, justement, je voulais parler de ça. J'en ai acheté il y a 2-3 jours. Elle a mal vieilli. Elle a dû être exposée au soleil, quelque chose. Elle a une espèce de pointe de goût qui ne me plaît pas. Il faut faire très attention. C'est pour ça que je voulais dire à nos auditeurs, auditrices qui rêvent de boire de la Ghost, il faudrait vraiment venir ici. Ouais. Elle peut se trouver en Floride, je crois. Mm-hmm. Elle se trouve aussi au Texas. Bien évidemment, en Louisiane, c'est l'endroit où on la trouve le plus facilement. Mais j'ai envie de dire que c'est pas une bière qui, à mon avis, voyagerait bien. Mm-hmm. À mon avis, tu l'amènes dans tes valises, tu arrives, tu c'est fais... C'est même le cas des IPA. Qui après se retrouve avec... Un goût beaucoup plus de fût, beaucoup plus, tu vois, comment on appelle ça, tu sais, de vin d'orge, en définitive. Mmh. Et voilà, après, ça, souvent, tu perds en fruits et tu peux gagner en caramel. On en a parlé de ça l'autre jour. La gosse, c'est encore pire, c'est qu'il y a un goût qui est gênant. Ouais, ouais, ouais. Et à mon avis, elle a dû être exposée au soleil. Ouais. Le brasseur nous disait que ne serait-ce que 2-3 secondes au soleil change de goût et après, elle est plus buvable. C'est une expérience, voilà. C'est une bière fragile. Il faut venir la boire ici. Mm-hmm. Revenons à la Dixie Voodoo. Mm-hmm. Black and Voodoo. Oui. Wawaron.
Wawaron, écoute, 14. Ouais, voilà, c'est vrai. Ouais. 14. Ouais, je suis d'accord. C'est une bière qui ne peut pas transformer nos palais respectifs, qui ne change pas les paradigmes pour me répéter, mais qui est vraiment une très agréable. Très agréable. Vraiment bien réussi par rapport à ce que la marque nous avait habitué. Ah oui. Et effectivement, dans une station-service, il y a un autre à boire, ça. Ouais. Faut prendre ça. Très bien. On passe au conseil de voyage. Conseil de voyage, acheter de la voodoo. Ouais, tu disais, Stéphane, pendant le jingle, que c'est vraiment une bière, on peut passer la soirée avec. Oui, voilà. Mmh. C'est ce que j'ai fait ce soir-là, et vraiment, j'étais très agréablement surpris. Alors, conseil de voyage aujourd'hui, très simple. J'étais dans un hôtel en France l'autre jour, et j'ai pris l'ascenseur, j'ai vu rez-de-chaussée, et je me suis dit, mais en fait, ouais, je vais parler de ça, parce que aux US et en France, les étages ne sont pas comptés de la même manière. Non. C'est tout bête, mais en France, il y a évidemment rez-de-chaussée, puis premier étage, ouais, deuxième étage, etc. Aux US, le premier étage, c'est le rez-de-chaussée. C'est le rez-de-chaussée, oui. Donc, on commence au premier étage. Voilà. Et le premier étage français est en fait le deuxième étage américain. Ouais. Voilà, c'est tout simplement. C'est très, très simple, mais je voulais parler de ça. Voilà. Qu'est-ce que tu as rajouté, Stéphane ? Pas plus. Si ce n'est, bon, il faut quand même arriver au bon étage, quoi. Voilà. Oui, bah exactement. Voilà, c'est pour ça. coup de cœur, Stéphane. Coup de cœur de la semaine. Ah, oh, bah ça y est, j'ai le nom qui est revenu. La bière. Comme Tonton Cristobal. Voilà, Tonton Cristobal. Il s'agissait de la Baltica 3 Ooh. Classic Beer Lager. 4,8 degrés. Ooh. Parce qu'ils font la 2, ils font la 3, ils font la 5, ils font la 7. Non, la 5, les commentaires, c'était good. Et moi, j'ai acheté celle que j'avais sous la main, la 3, ils disaient bon. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord. Bon, c'est des snobs en même temps. Ouais, c'est une bière qui, ouais, avec toi, on a parlé de la voodoo. Ouais, à peu près au même niveau. Allez, un petit point de moins. Allez, 12, 13. Voilà. Là, j'aimerais revenir en Louisiane et parler du Catahoula Leopard Dog. Ah oui, oui. C'est le chien de l'État. C'est le chien de Louisiane et c'est un mot Choctaw. Mot indien. Et c'est bon, c'est un chien de Sacred Lake, originaire de Louisiane. Et puis c'est tout ce que j'avais à dire. Il est sur une canette de Gnarly Barley. C'est vrai. Voilà, c'est une race de chien qu'on peut retrouver. Qui est la race de l'État de Louisiane. Un peu partout, mais voilà, qui est originaire de Louisiane. Comme le coq, c'est le symbole de la France. Voilà. Eh ben, le chien louisianais, c'est le Catahoula. Voilà, c'est pour ça que je voulais faire un petit clin d'œil à ce chien. Très bien, ils sont très jolis en plus. Oui, oui, oui. Ils sont pommelés un peu comme les, tu sais, les chevaux pommelés là, qui ont des espèces de, ben, presque des taches, quoi. Mm-hmm. Ben, c'est un chien qui a des taches. Voilà, puis je regardais aussi dans mes notes, je me suis dit pourquoi j'ai noté ça. Oui, parce qu'en France, je reviens en France, oui. L'éducation nationale française, s'il oui, vous plaît, monsieur, ne sert plus d'alcool pour les jeunes de moins de 14 ans depuis 1956. Quoi ? T'imagines, avant, on pouvait se bourrer la gueule à 12 ans. oui. Et depuis, on va acheter de la Jeanlin dans les supérettes. Ouais. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est que le fait que Barack Obama est pernois. Et oui, et j'ai vu ça, il y avait un gars qui défilait à Villeneuve-les-Avignon en disant « Mais c'est mon cousin, c'est mon cousin !» Bon, le gars, il n'avait pas l'accent, mais c'est un peu dommage. On dira qu'il avait l'accent. Ouais, c'est mon cousin, c'est mon cousin, là, j'aimerais bien lui dire bonjour, il est sur mon arbre généalogique, bon, tout ça. Ah, ouais. Je suis allé sur midilivre.fr. L'article a été rédigé que j'ai lu par le maire de Perne. Mm-hmm. C'est une réalité. Ouais. Mon père connaît très bien. Alors bon, il n'est pas 100% pernois. Non. Vous l'avez bien compris. Il est 100% pernois. Ricard. Ouais. Mais en partie pernois. Alors, il a 1% de français dans son ADN. Ils ont fait son ADN, ouais, son arbre généalogique. Alors, ils ont retracé sa généalogie dans un certain Marin Duval, qui était un huguenot nantais qui avait émigré dans le Maryland, aux États-Unis, pour fuir les persécutions religieuses. Ouais. Il s'est marié là-bas avec une certaine Suzanne Brasseur. Voilà. Ah. Voilà, ça c'est la France. Bah oui, monsieur. Ça, c'est la France. Brasseur en plus, Binous USS, super. Comme Claude, qu'on en salue. Voilà, bien sûr. Qui était originaire, elle, des alentours de Carpentras, monsieur. Comme Pierre, qu'on en salue. Brasseur. Quoi? Pierre Brasseur, je vais faire toute la famille. Ah, oui, d'accord. De okay. Originaire de Carpentras, oui, c'est voilà. Ça. Mm-hmm. Et alors, il a récemment, moi quand j'y étais, il a passé ses vacances à Villeneuve-les-Avignon, qui est à côté de Pernes-les-Fontaines.
On était dans la même région, même moment. D'ailleurs, ces filles ont été photographiées flânant dans le marché de l'Île-sur-la-Sorgue. Ouh, les vilaines. Je suis allé boire une Duvel Pression. Il paraît que c'est très rare, la pression. Pour moi, je n'ai jamais bu une Duvel Pression. Exactement. Donc, la veille, donc les filles Obama étaient flânées dans le marché à l'Île-sur-la-Sorgue. Moi, la veille, j'avais bu une Duvel Pression avec Laurent, qui est un copain, et un auditeur également, à qui on passe le bonjour. Qui est cousin d'Obama. Eh ben, peut-être bien. Voilà. On est tous cousins d'Obama. Séquence musicale. Je reviens à Obama. Oui. Obama, tu sais, bon, certes 1% français, mais beaucoup d'Irlandais dans son... Ah bon? Oui, c'est pas Obama. Donc, il est allé en Irlande, un reportage qu'on peut toujours voir sur YouTube. Oui, Obama, c'est son père, qui était africain. Oui, non, mais il a aussi du sang irlandais. C'est-à-dire qu'il est allé en Irlande, ils l'ont accueilli avec les drapeaux, tout ça, et on le voit en train de payer une tournée de Guinness. Ah. Voilà, donc, reportage. Je pense qu'à mon avis, il est un peu plus irlandais que français. Oui. S'il avait été plus français, il aurait payé une tournée de Ricard, quoi. Voilà. Non, il est 1% pernois. Et voilà. Voilà, c'est très intéressant. Moi, ça m'a vraiment, ça m'a plu, ça. Oui, et puis quand j'ai vu qu'il arrivait à Villeneuve-les-Avignon, que tu étais par là, je me suis dit, bon, mais c'est sûr, il va venir te rendre visite. Bien sûr. Je t'avais conseillé de mettre la Yingling au frais, bon, voilà. Parce qu'il boit de la Yingling. Eh oui. On en avait parlé. Autre chose, ou est-ce qu'on passe à la séquence musicale? Musique, le mot de musique. Alors aujourd'hui, séquence musique, c'est Michael Martin Murphy. Que je connais. Tu connais? Oui. Michael Martin Murphy. Voilà, Martin Murphy. Michael Martin Murphy. Merci beaucoup. Alors, c'est un auteur-compositeur-interprète texan. Tu m'arrêtes si je me... Si oui, je... non, c'est exact. D'accord. Tout va bien. Il a une longue et illustre carrière. Oui. Son album qui s'appelait Cowboy Songs en 1990 a été le premier album country à devenir disque d'or depuis l'album Gunfighter Ballads and Trail Songs de Marty Robbins en 1959. Oui, je crois que c'est à cette époque-là que j'ai découvert ce chanteur, 1990. C'est incroyable. Ouais, ouais. Ça faisait 40 ans qu'un album country n'avait pas été disque d'or. Ouais. Alors, le morceau qu'on va écouter aujourd'hui est tiré de son dernier album qui s'appelle Austinology, Alleys of Austin. Et le morceau s'appelle Cosmic Cowboy. Alors, on y entend aussi Willie Nelson, Jerry Jeff Walker, Lyle Lovett, Bruce Robinson, Gary P. Nunn, Django Walker et Bob Livingston. Il y en a du monde sur ce morceau. Il y a du beau monde. Ah oui, vous allez reconnaître Willie. Si vous avez écouté notre hors-série Country Music USA, vous allez reconnaître le timbre de Willie, inimitable. En parlant de Willie, c'est amusant, je regardais un reportage sur le Hellfest. Oui. Et il y avait un gars, donc, bon, fan de hard rock, et il avait son t-shirt Willie, et il était très fier de son t-shirt Willie Nelson. Ah bon? Ouais, ouais, il était fan de Willie Nelson. Ah, c'est rigolo. Et de hard rock. Tiens. Voilà. Ouais, ouais. Oui, c'est, oui. C'est pas un problème. Alors, l'album est inspiré par la période durant laquelle il a habité à Austin, au Texas, entre 1968 et 1974. Alors, il décrit le sens de communauté de la scène musicale à cette époque-là à Austin, en la comparant à la communauté, ce qui m'a beaucoup plu, des écrivains américains à Paris dans les années 20. Mmh. On faisait partie Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald. Mmh. Écoute, alors je cite, Hemingway était au centre de cette scène et du style d'écriture qu'ils ont développé. Ils ont dû quitter New York pour développer leur propre voix. Dans notre cas, on a juste dû quitter Los Angeles et Nashville. Mmh. J'ai trouvé ça une comparaison chouette, quoi. Oui. La communauté, et puis le fait de d'émigrer un peu dans un endroit que tu connais pas, et puis de se trouver une communauté. Je trouve ça très très sympa. Et donc le morceau qu'on va écouter aujourd'hui s'appelle Cosmic Cowboy, et on s'en parle après. I just wanna
C'était Michael Martin Murphy avec Cosmic Cowboy. Ça t'a plu, Stéphane? Oui, avec du beau monde derrière. Ah oui, il y a du beau monde, effectivement. Ça fait réunion de copains. Ouais, mm-hmm. Très, très joli. Mm-hmm. Est-ce qu'on passe à l'expression Cajun? Oui. Allons-y. Alors Stéphane, l'expression Cajun cette semaine, c'est « It's all croche ». Oh, mais qu'est-ce donc ? « It's croche ». Croche. Qu'est-ce que c'est ça ? Je ne sais pas. Eh bien, ça veut dire que c'est de travers. De travers. « It's croche ». Oh non, « It's croche ». Je ne savais pas du tout. Tout de travers. Ah, c'est très joli. « Croche ». Eh bien, est-ce qu'on passe à la pub ? Bah, il faudrait bien quand même. Ah bah, oui. C'est bon, la Dixie, tout ça, c'est bien. Hein. C'est bien, mais il faut passer à la c'est pub. C'est bien beau, mais bon, voilà. Alors Firmin Simon a fait une pause dans sa tournée mondiale pour nous rejoindre dans les studios. Alors parlez-nous un peu de cette tournée, Firmin. Ouais, c'est un concept inventé avec mon manager. C'est une tournée alphabétique. On a commencé en Auvergne et on finira au Zimbabwe. Alors je crois que vous êtes dans les F en ce moment. Hier vous étiez à Forbach, demain vous serez à Francfort. Au pays des saucisses. Bon, visiblement ça vous dérange pas de jouer sans Pellegrino, pays quand même synonyme de dictature. Oh ouais, mais moi, vous savez, les synonymes, les homonymes, les homophones, les allophones, on peut tous vivre en harmonie municipale. Oh, un peu d'humour, quoi. Ouais, alors vous allez nous faire un cadeau, vous allez nous interpréter une chanson inédite qui sera sur votre prochain album, je crois. Ouais. Vous êtes prêts, les gars ? Hélène, je m'appelle Hélène. Je suis une fille comme les autres
cherche tout simplement l'amour. Mais je cherche tout simplement l'amour. Ouah, c'est du violent, c'est du lourd, ça dégage, ça arrache, c'est puissant, ça envoie du bois des dents, eh, Firmin. Vous allez pas avec dos de la cuillère, hein, franco de porc, franc du collier, brut de pomme, brut de décoffrage, ça dépote, ça dégage. J'ai plus de mots, quoi. C'est des textes un peu sulfureux, j'assume. Alors avant de partir, vous avez choisi de nous interpréter l'hymne du San Pellegrino, alors j'ai envie de demander pourquoi servir la soupe à ce dictateur notoire. Ouais, je veux dire, bon, son excellence adore mes chansons, et je me fais fort de chanter les hymnes des pays dans lesquels je joue. Même en Auvergne ? Ouais, même en Auvergne. Guys, you're really... Tire-li-pimpon sur le chihuahua. Tire-li-pimpon avec la tête, avec les bras. Tire-li-pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche mes castagnettes, moi je touche à tes ananas. Alors bien sûr, vous pouvez retrouver les concerts de la tournée de Firmin en direct tout l'été sur podcut.studio, tournée sponsorisée par patreon.com/podcut. À bientôt en live. Allez, salut les nazes. Voilà Stéphane, donc une bonne bière locale en fait. Oui, oui, oui. Vraiment très sympa. Oui, pas cher du tout. Non, on la conseille. Qu'on trouve partout en Louisiane. Absolument. Ça serait sympa le jour où ils la referont à la Nouvelle-Orléans, ça sera encore plus local parce qu'elle est dans le Tennessee, mais bon. Voilà, et eh bien Stéphane, que dire de plus? Rien de plus si ce n'est des news. We should watch it. I think that one's full.